Passionnant quand même de parler depuis devant 60 barbus comme ça. Ça fait drôle. Donc bonjour, je m'appelle Sébastien Blaiseau. Je travaille chez Page Jaune. Alors Page Jaune, vous en avez entendu parler ce matin, vous connaissez probablement par le portail pagejaune.fr. Mais chez Page Jaune, on héberge beaucoup d'autres applications, à la fois pour les visiteurs, un exemple parmi tant d'autres, le site annoncejaune.fr par exemple, qui permet de faire des recherches de petites annonces immobilières, automobiles. On héberge aussi des applications pour nos clients, c'est-à-dire ceux qui nous payent, donc des services clients, par exemple. Et puis, on héberge aussi des applications internes pour l'entreprise. Donc, ce matin, Christophe et Sylvain vous ont parlé de la partie pagejaune.fr. Moi, je vais vous parler, en gros, de tout le reste. Donc, chez Pagejaune, je suis responsable de l'ingénierie du SI. Ça veut dire de l'architecture infra des applications, comment est-ce qu'on va installer les applications, sur quel type de machine, avec quel middleware, etc. Je suis responsable avec mes équipes des infrastructures transverses, des data centers, des serveurs, des OS, des infrastructures de stockage, de backend, voilà. Et puis une autre activité qu'on a, qui est l'activité d'intégration des applications dans les infrastructures, c'est-à-dire tout ce qu'on a entre le dev qui a fait son dev sur son poste de chez Carrefour et qui fonctionne sur son poste, et puis les exploitants qui ont leurs procédures, qui veulent avoir leurs consignes en cas de problème, et donc tout ce boulot entre les deux. Ceux qui m'auraient pas compris, je vous ai mis mon compte Twitter. Alors pourquoi est-ce Jacques Villeray dans une petite bulle? Parce que c'est mon avatar sur Twitter. Et parce que je pense que Frédéric ne me contredira pas, c'est un de nos meilleurs films. Donc, Alors quand le principe du Reboot Camp a été établi, Frédéric m'a téléphoné. J'étais en pleine période de test sur Ansible. Et il m'a dit, ouais, Sébastien, on va faire un Reboot Camp, il faut absolument que tu viennes nous faire une presse, un retour sur Ansible. J'avais en tout et pour tout 3 fois 2 heures de rigolade avec Ansible. Ça m'a paru un petit peu juste pour venir vous faire un retour d'expérience dessus. J'aurais pas été crédible et j'aurais sûrement été beaucoup moins pertinent qu'Adrien sur Solstack. Par contre, je lui ai proposé de faire un petit retour sur l'automatisation des déploiements qu'on a mis en place chez Pagejaune depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans. Donc toute cette chaîne automatique et automatisée de déploiement. Profitez bien de ce slide, vous n'en verrez pas d'autres, j'ai fait que celui-ci. J'ai fait que celui-ci volontairement, parce que ce que je voudrais vous raconter, c'est une histoire, c'est notre histoire, c'est le chemin qu'on a parcouru depuis 5 ans, et que le meilleur vecteur pour une histoire, et pour raconter une histoire, c'est encore la voix, plus que les slides. Donc je vais me passer de slide. Et puis l'histoire que je vais vous raconter, comme on est en train de parler de DevOps, je vais commencer cette histoire au début de DevOps. Ce matin, Sébastien nous a présenté un slide avec une temporalité où il situait l'arrivée de DevOps en 2009. Alors je vais commencer aussi mon histoire en 2009, au même moment. Alors en 2009, on avait chez Pagejaune une équipe système, côté Ops, qui travaillait avec une seule maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre qui avait en charge le portail pagejaune.fr, dans lequel Christophe est aujourd'hui. Vous voyez le niveau qu'ils ont atteint aujourd'hui. Pour des ops, avoir des devs qui ont ce niveau de maturité-là, c'est juste un bonheur, c'est extraordinaire. Et donc c'est une maîtrise d'œuvre qui déjà en 2009 était très autonome et qui descendait très bas en fait dans les couches côté ops, qui descendait bas au point de fournir aux exploitants des packages applicatifs natifs à l'OS, prêts à déployer. Sur les environnements Red Hat, CentOS, ils fournissaient des RPM, sur les environnements Ubuntu, Debian, ils fournissaient des Deb. Donc c'était vraiment très packagé. Donc il y avait une notion d'automatisation côté Dev sur le packaging des applications, où tout ce packaging, cette création des packages, était faite par un ensemble de script shell et d'utilisation des outils standards, par exemple du RPM build sur les plateformes Red Hat. Toute cette chaîne-là de packaging de l'appli était automatisée. Et puis, sur le côté
sur le côté Ops, on avait effectivement commencé à automatiser des choses, donc plutôt avec des script shell, avec voilà, un peu de bon sens, un bout de ficelle et un couteau suisse, hein, comme MacGyver. La première chose qu'on a voulu automatiser, c'était le déploiement des infrastructures, et notamment des serveurs. Alors, déployer un serveur, qu'est-ce qu'il faut qu'on automatise? On a automatisé la configuration RAID des serveurs, donc un boot du serveur sur du PXE qui lance des outils qui vont automatiquement aller configurer le RAID, et puis on essaie de déployer le serveur selon quelques configurations préétablies. On a automatisé la mise à jour des firmwares sur les serveurs, de manière à ce qu'à chaque fois qu'on déploie un serveur physique, on le déploie au dernier niveau disponible, validé en tout cas, de firmware. On peut mettre un S à firmware parce que les firmwares dans les serveurs, je ne sais plus comment les appeler, ils en inventent tous les jours. Bientôt dans les câbles, il y aura des firmwares maintenant, enfin, c'est déjà le cas d'ailleurs. Et puis évidemment, on a automatisé par-dessus ça la descente d'un OS minimal, un OS minimal qui était vraiment la base pour pouvoir faire quelque chose, et puis par-dessus cet OS minimal, la configuration un déploiement post-installation, une configuration du réseau, mais aussi les utilitaires, les agents d'inventaire, les agents de sauvegarde, la conf du serveur NTP, etc., 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 j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc côté dev, une automatisation du packaging de l'application, et côté ops, une automatisation du déploiement des infrastructures. J'ai parlé que de machines physiques, mais on le faisait également sur les déploiements des VM. Évidemment, c'est un peu moins sportif, parce que le déploiement des VM est généralement assez automatisé et assez facile à appeler en API. Donc ça, c'était en 2009, on s'amusait bien, et puis en 2010, l'entreprise a pris la décision de consolider son hébergement. On avait des applis qui étaient disséminées un peu partout, dans différents data centers, chez différents prestataires. Et en 2010, on s'est dit, on héberge des applis dans 9 data centers, on va passer à 3. Et donc notre petite équipe côté Ops s'est retrouvée à travailler avec de nouvelles maîtrises d'œuvre. Nouvelle maîtrise d'œuvre qui n'était pas toute au niveau de maturité que notre équipe portail avait. Et on s'est vite rendu compte que entre des devs qui développent leur appli sur la machine de chez Carrefour, parfois sous Windows, et puis nos exploitants qui ont l'habitude de déployer des packages RPM fournis par la maîtrise d'œuvre, il manquait une glue, il manquait un petit morceau. Et c'est ça qu'on a appelé justement l'intégration et qu'on a essayé de ce trou qu'on a essayé de combler en fait. Et puis de le combler, alors on ne savait pas que c'était du DevOps à l'époque, mais en mettant en œuvre des pratiques qui nous semblaient être plutôt du bon sens et de la bonne pratique, comme je disais ce matin, aussi parfois contraint par des questions de moyens. Et puis on s'est mis presque à faire du DevOps comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. La première chose qu'on a fait, c'est de se dire, on a des ops, on a des devs, et ils ont du mal à se parler, parce que les ops attendent des devs qui descendent assez bas, et puis les devs attendent des ops qui montent assez haut, et puis chacun est de son côté. Donc quand on va avoir un projet et qu'il va falloir qu'on héberge une nouvelle application, le meilleur moyen que ça marche, c'est qu'on le fasse ensemble. Et pour le faire ensemble, on a mis en place des équipes projet multi-origine, pour traiter chaque projet d'hébergement avec un chef de projet, un coordinateur technique, avec une personne du côté dev, en l'occurrence notre client, avec un exploitant, un gars de la prod, et puis avec un architecte et intégrateur système, avec un architecte et intégrateur réseau. Donc une équipe vraiment multicasquette qui venait justement avec des gens qui venaient d'équipes au sens managérial du terme différentes, mais qui se retrouvaient dans une équipe projet pour atteindre un objectif de reprise d'application. Et on avait deux objectifs. En fait, le premier, c'était que par ces équipes projet, on arrive à avancer tous ensemble dans la même direction en prenant en compte les différentes contraintes des uns et des autres pour atteindre l'objectif de mise en prod,
mais qu'en parallèle, chacun étant toujours rattaché dans son équipe au sens hiérarchique et sur un métier, chaque personne avait la charge aussi de diffuser dans son équipe les éléments du projet. Donc on avait l'équipe au sens métier qui portait la cohérence technique entre les différents projets et l'équipe au sens projet qui avait pour objectif d'aller jusqu'à la mise en production, à temps correctement, etc. On s'est retrouvé assez rapidement avec beaucoup de nouvelles applications, beaucoup de nouveaux clients ou de nouvelles équipes de dev en face de nous. Évidemment, pas beaucoup plus de moyens, en tout cas pas en conséquence du boulot qui arrivait. Et donc, on s'est dit qu'il faut qu'on gagne en productivité, et pour gagner en productivité, il faut qu'on automatise. C'est-à-dire que si on a 10 mises en prod à faire de cette appli-là, plutôt que 10 fois à la main aller détarrer le truc, le poser dans le bon répertoire, en changer la conf à la main, etc., il faut que ça se fasse tout seul, de manière à ce qu'une nouvelle version, ok, pas de problème, j'appuie une fois de plus sur le bouton et ça se déploie. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a visé. De commencer à automatiser pour absorber les versions plus fréquentes. Alors il se trouve que dans ces nouvelles équipes de dev avec lesquelles on s'est retrouvé à travailler, il y en avait une en particulier qui était une jeune direction qui avait été construite toute pièce, un petit peu sur un mode il me faut une direction coup de poing pour développer très rapidement des applis pour attraper le marché, donc je prends des bons, je les mets ensemble et eux ils vont faire un truc super. Nous, comme on était côté Ops, un petit peu transverse à tout ça, ils sont branchés dessus. Et on a commencé à bosser avec eux. Ils étaient vraiment dans cette démarche d'industrialisation. Ils étaient dans cette démarche d'industrialisation d'abord parce qu'ils avaient défini un socle de développement. Et ils avaient fait quelque chose de très intéressant. Ils avaient dit que toutes nos applications seront développées suivant le même modèle en utilisant telle librairie, tel langage, telle fonction, tel machin. Donc on savait que toutes les applications qui venaient de chez eux étaient construites de la même façon. Ils sont arrivés en disant j'ai prévu mon socle de dev, au sens notamment des librairies qu'ils utilisent, mais il me faut des middleware particuliers. En l'occurrence, ils ont fait des choix middleware qui n'étaient pas tout à fait ceux qu'on connaissait, mais on s'est adapté, on les a pris en compte, on les a industrialisés aussi, le déploiement de ce truc-là. Et puis on avait d'autant plus intérêt à automatiser le déploiement de ce socle-là, qu'on savait que toutes les applications qu'il ferait seraient sur ce modèle-là. Donc leur architecture applicative était standardisée, et puis ils commençaient à réfléchir, alors ce n'était pas encore implémenté, mais c'était en tout cas déjà dans leur tête, à du générateur de code. C'est-à-dire, plutôt que de développer chaque application certes sur le même modèle, on va plutôt décrire l'application en termes fonctionnel, et puis on va avoir une grande partie du code qui va être autogénéré. Donc ça, c'était déjà dans leur tête à l'époque. C'est aujourd'hui une réalité en ce qui les concerne. Et donc ça, on était courant 2011. Et comme il fallait que on automatise tout ça, on a commencé à réfléchir à la question de comment est-ce qu'on pourrait automatiser ça avec des outils existants. À cette époque-là, on a étudié différents outils. On a par exemple étudié CF Engine, Puppet, Chef, Solstack, Fabric. Et début 2012, on a fait le choix d'utiliser Fabric. Alors pourquoi on a fait le choix de Fabric début 2012 ? Parce que à l'époque, à cette époque-là en tout cas, c'était le seul outil qui fonctionnait en mode push. Adrien vous a montré Solstack tout à l'heure. C'est empressé de nous dire qu'il y avait Solstack SSH qui permettait de fonctionner en mode push. Ça n'existait pas à l'époque. Et on avait besoin du mode push parce qu'on avait besoin de maîtriser le moment auquel les déploiements se font sur les machines. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que on peut avoir des plateformes qui sont assez complexes, avec de la redondance, parce qu'on veut garantir un niveau de disponibilité. Et le problème, c'est que c'était assez difficile de maîtriser que les 5 machines qui rendent le service, il ne faut surtout pas qu'elles se mettent à jour en même temps. Sinon, ça marche moins bien. Alors, on peut dire, je travaille par grappe, etc., mais
voilà, on lance le truc et puis il faut attendre, on ne sait pas trop quand ça va se faire, etc. Donc on a vraiment besoin du push. Une autre raison pour utiliser le push, c'est que dans une architecture où vous avez une ferme de serveurs qui rend un service et puis un load balancer qui aiguille le flux au-dessus, on veut éviter de faire ce que Nicolas expliquait tout à l'heure. Hein. On prend un gros fusil, on tue la machine et puis on se dit « Ah, peut-être ça va remonter » et puis au pire, l'utilisateur il se dira qu'il a perdu sa connexion. On peut difficilement se dire « Bon, alors la machine pendant 5 secondes elle va être indisponible et le load balancer ne l'aura pas encore sorti, une petite règle de 3, ça fait 200 000 requêtes qui sont perdues. » Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas se permettre. Donc on voulait vraiment avoir la maîtrise de dire « Je sors ma machine du trafic, j'attends qu'elle ait réellement plus de trafic, je lance mon déploiement sur cette machine-là, je vérifie et après je la remets. » Et puis c'est vrai que dans notre tête d'ups un peu borné, on voulait maîtriser le déploiement, c'était quand même important. À ce moment-là, on a choisi Fabric. Pour faire simple, une librairie Python qui permet effectivement de scripter et d'aller exécuter à distance sur des machines des automatismes développés en Python, partie de Python. Et donc on s'est dit, on va commencer à développer le déploiement des infrastructures. Comme on va commencer à développer, nous on n'est pas des devs, ça va pas être simple, il nous faut un dev. Ça tombe bien, nos petits amis côté jaune.fr avaient un dev qui avait plutôt le nez fin sur le côté ops et le côté middleware, dont ils se séparaient. Avant de partir, tu vas venir faire un stage chez nous pendant quelques temps, ça va être pas mal. Donc on a fait rentrer un dev du côté ops. Par contre, Sébastien disait ce matin, faites-le quelques semaines, nous on l'a fait 3 ans. Mais 3 ans qui ont été vachement bénéfiques en fait, parce que ça nous a apporté des méthodos de développement, des choses qu'on ne connaissait pas chez les ops. Ça nous a apporté d'abord de la gestion de version, du versionning de code, et notamment un serveur SVN. Ça nous a apporté aussi un environnement de développement, parce que pour développer, il faut un environnement de développement, comment on va faire? Nous, on a l'habitude de faire du SSH, mais un environnement de développement, on ne connaît pas. Donc en l'occurrence, il nous a aidé à mettre en place, à configurer, à apprendre à utiliser Aptana. Ça nous a apporté aussi des tests unitaires, parce que je ne sais plus qui disait ce matin, un bon développeur, de toute façon, il code des tests unitaires. Ben oui, on n'était pas des bons développeurs, on était des ops. Donc on a appris à faire des tests unitaires, à les exécuter, à voir quand ça ne va pas, à corriger, etc. Et puis, il nous a apporté aussi le côté intégration continue, avec le déploiement d'un Jenkins. Je vous assure que, dans ma position de responsable d'équipe, de commencer à recevoir des mails toutes les nuits qui dit « Le build de MySQL s'est planté cette nuit. » Ça fait un peu drôle. Voilà, donc il a fallu aussi que ça se mette en place, qu'on apprenne à travailler avec et que du coup, on s'améliore sur cette partie implémentation, je veux dire développement, puisque c'est du développement d'un automatisme. Alors cet automatisme, on l'a conçu en couches. On s'est dit, on veut déployer quoi? C'est simple, on a une nouvelle appli qui arrive, on veut automatiser tout jusqu'à ça part en prod. Alors tout c'est quoi? D'abord il nous faut des machines. Donc on veut automatiser le déploiement des machines, que ce soit des machines virtuelles ou des machines physiques. Il faut qu'on automatise ça. Et puis la couche du dessus, il nous faut un certain nombre de middleware, un Apache, un PHP, un Tomcat, un MySQL, un je ne sais quoi. Donc différents briques middleware. Et puis, par-dessus ça, on veut poser quoi? On veut poser une appli. C'est bien, j'ai mis mon Tomcat, mais il faut que j'aille mettre mon appli dans mon Tomcat. J'ai mis mon PHP, il faut que j'aille mettre mon appli dedans. Et puis, à chaque fois, évidemment, il faut déployer la conf qui va avec. Et puis, tout en haut, on se dit, ce qu'on veut déployer, en fait, c'est une plateforme complète. Parce que ma plateforme, j'ai 2 serveurs qui font serveur PHP avec mon appli PHP, et puis j'ai 2 serveurs qui font base de données avec un MySQL avec des données dedans, etc. Donc, globalement, je veux déployer l'ensemble. Donc voilà, on y est allé par strat, au fur et à mesure, en commençant, alors les OS, on avait déjà une base, on a terminé, on a fait les différents middleware, puis après on a commencé à faire les applications, jusque globalement le service. Et puis on s'est rendu compte en faisant ça, qu'on était en train, en développant des automatismes, de standardiser des architectures ou des morceaux d'architecture.
Typiquement, on s'est dit, une fois qu'on a fait l'automatisme, qui nous déploie deux serveurs MySQL configurés pour se répliquer en master-master l'un sur l'autre, ça, c'est un pattern d'architecture, c'est une brique d'architecture, on va pouvoir la réutiliser, et c'est toujours le même automatisme qu'on va utiliser pour N applis qui vont utiliser cette brique-là. Et donc, on a commencé également non plus à réfléchir, je fais mon automatisme en fonction de l'architecture cible que je me suis donnée, mais inverser les choses en disant mes automatismes sont des briques de base que j'utilise pour choisir l'architecture d'hébergement de mes applications. À ce moment-là aussi, on a commencé à demander aux développeurs de respecter certaines contraintes dans leur livraison, simplement pour que le passage par l'automatisme se passe bien. Mais à la différence des contraintes qu'on entend toujours, les contraintes des ops, il faut un câble, j'entendais parler ce matin, etc. Les contraintes qu'on a mises aux développeurs n'étaient plus des contraintes ops, mais étaient vraiment des contraintes de dev, et des bonnes pratiques de dev que certains n'implémentaient pas. Exemple de contrainte, la première chose qu'on leur a demandé, c'est on leur a dit, quand vous nous faites une livraison, une version applicative, faites-nous une livraison complète. Fini la livraison, tiens, j'ai fait une erreur dans mon code, je te relive ce petit fichier PHP-là, il faudra le mettre dans tel répertoire. Parce que c'est le meilleur moyen pour que la livraison suivante, ils aient oublié eux de le corriger et puis qu'on retombe dans le problème. Donc on leur a dit, non, tu mets ton fichier dans ton gestionnaire de source et tu me fais la relivraison complète en ayant incrémenté le numéro de version. Donc on leur a demandé de livrer toujours de la même manière. Évidemment, si un coup je te fais un zip, un coup je te fais un tar, un coup je suis dans le répertoire du truc, un tout coup je suis dans le répertoire d'avant, etc., mon automatisme, je ne peux pas le réutiliser d'une version sur l'autre. Et puis on leur a demandé aussi de découper leur livraison et de séparer la livraison du code de la configuration. Je ne sais plus qui parlait, peut-être toi Sylvain, Sébastien, qui parlait de l'externalisation des properties dans un WAR, typiquement, de séparer la config du code, et de séparer, troisièmement, tout ça, des données. Alors pourquoi séparer ça? Parce que ça permet de dire, j'ai une nouvelle version d'application, je peux déployer uniquement le code, mais ma config, elle peut avoir changé ou pas. On leur demande de documenter ça. Et puis surtout, autant quand on déploie pour la première fois une plateforme, on va aller injecter des données, mais quand on va la déployer pour la version 18, on va éviter d'aller redéployer les données initiales et de péter toute la prod ou toutes les données de prod. Et à l'inverse, il peut y avoir besoin d'appliquer une correction sur les données où on ne veut pas forcément redéployer le code. Donc le fait de séparer permet aussi de le rendre modulaire. Donc là, on était en 2012, et en 2012, on a vécu une grosse révolution parce que notre petite équipe Ops, qui était très orientée web, qui était purement rennaise, suite à un changement d'organisation, s'est rapprochée du SI interne de Page Jaune, le legacy, le SI classique d'entreprise, qui avait d'autres équipes. Et donc, on s'est mis à travailler avec des nouvelles équipes de dev, des nouvelles maîtrises d'œuvre, mais aussi à intégrer des nouveaux ops. Et là, ça a été une grosse révolution, parce que on a vécu à peu près tous les anti-patterns DevOps dont Sébastien nous a parlé ce matin. On s'est mis à travailler côté Ops avec des nouveaux Ops qui avaient une culture très différente. Et la culture, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué à travailler. Qui, pour que ce soit un peu plus compliqué, était éloigné géographiquement. Mettre 500 km entre deux équipes Ops, c'est pas le meilleur moyen pour qu'elles se rapprochent. Et puis évidemment, qui était cloisonné sur des parties de SI ou des applications différentes. Donc tout ça fait que ça a été assez difficile de continuer notre progression dans l'automatisation sur la totalité du périmètre. Donc en 2013 et 2014, c'est le chemin qu'on a essayé de parcourir. On a essayé effectivement de poursuivre cette transition-là. Et on a essayé de mettre en place un partage de bonnes pratiques entre des équipes Ops qui étaient vraiment plus habituées à ce fonctionnement, et d'autres équipes Ops qui l'étaient beaucoup moins. On a lancé plein de mayonnaise, il y en a beaucoup qui sont retombées, il y en a quelques-unes compris.
globalement, ça a été une réussite très partielle et on en a appris quelques leçons. La première, la leçon qui me semble importante, c'est que ce genre de changement, de dire on va se mettre à faire du DevOps dans une équipe, c'est un changement qui doit être accompagné managérialement. Je rejoins tout à fait Sébastien ce matin quand il disait on ne change pas l'organisation tout seul dans son coin. Je vais aller au-delà. Ça doit être accompagné managérialement, globalement, par le responsable global qui dit c'est j'y crois et il faut y aller et mettez-vous en ordre de marche pour y aller. Mais aussi, ça doit être accompagné managérialement, localement, au niveau de l'équipe, dans l'équipe. Parce que même si on a des gens qui sont convaincus dans une équipe, s'ils n'ont pas un premier relais tout de suite dans l'équipe pour les aider, leur mettre le pied à l'étrier, les pousser, les encourager, les féliciter, etc., ils vont vite se décourager et vite laisser tomber. Et évidemment, globalement, parce que, comme disait Sébastien ce matin, et je le rejoins tout à fait là-dessus, on ne peut pas changer l'organisation tout seul dans son coin. Alors, on a eu différentes réussites ou échecs avec différents collaborateurs. On en a certains qui sont très bien montés sur le sujet, qui ont pris en main l'outil, qui ont pris en main les concepts, qui se sont appropriés et qui l'ont utilisé. On a un exemple, par exemple, d'une personne qui, au départ, était sysadmin Windows. Effectivement, elle a l'habitude de bricoler, j'allais dire, à la main, en montrant un clavier. En fait, c'était plutôt à la main avec une souris, sur des machines de prod. Et l'année dernière, on lui a confié un projet, une application installée sous Linux, dont il a entièrement automatisé le déploiement avec Fabric. Il a eu du mal parce qu'il a fallu qu'il le prenne en main, qu'il comprenne la philosophie, qu'il le mette en place. Il a sollicité ses collègues qui savaient faire, il a été chercher de l'info. Mais néanmoins, voilà, il a réussi à le faire, il a plutôt bien fait, ça marche bien. Et alors, il est heureux aujourd'hui quand on lui donne une version N+1 de l'appli et qu'il dit « pas de problème, j'appuie une fois de plus sur le bouton ». Donc voilà, on a quelques vrais exemples de réussite comme ça. Et puis on a des choses qui sont un peu plus contrastées. On a eu à faire face à des gens qui n'ont simplement pas voulu franchir le pas, avec des réactions assez diverses. On a entendu « Quoi, tu veux me faire développer un automatisme de déploiement de l'application en Python ? Je suis pas développeur, moi !» On a eu droit à aussi des gens qui n'ont pas perçu l'utilité de la reproductibilité. Effectivement, on cherche à déployer plus vite, parce que ça aille plus vite en prod. Mais je crois qu'encore plus important que ça, on cherche la reproductibilité. On cherche que quand on a fait quelque chose, on l'ait fait tout le temps de la même façon, et partout de la même façon. Et le gars, il dit, s'il faut redéployer l'appli, pas de problème, tu me redemandes, je te le refais. Ouais, mais d'abord, qu'est-ce qui me garantit que tu vas le refaire pareil ? Tu n'as même pas fait une doc pour dire ce que tu avais fait. Et puis, si tu n'es pas là, on fait comment ? Ah ouais, mais je suis là, il n'y a pas de problème. Bon, ça nous a un peu posé problème. Et puis, il y a des gens aussi, au-delà de ça, qui ont dit, attends, je ne vais pas passer 2 jours à faire un script qui va les déployer, alors que pour le déployer, j'en ai pour une demi-journée. Oui, excuse-moi mon garçon, tu oublies que ton déploiement, il va falloir qu'il fasse une fois toutes les 2 semaines, parce qu'il y a une livraison toutes les 2 semaines. Donc il y en a qui n'ont même pas voulu essayer, puis il y en a qui ont essayé et qui ont échoué, qui n'ont pas réussi à le prendre en main. Et donc, j'en ai tiré quelques leçons ici. La première, c'est qu'un sysadmin moyen, ça fait difficilement un bon intégrateur, au sens où c'est un changement radical. Ce dont on a besoin maintenant, c'est de concepteurs d'automatisme. On n'a pas besoin de gens qui appliquent une recette, on a besoin de gens qui conçoivent des automatismes. Et le boulot de conception n'est pas du tout le même que celui d'exécutant, en quelque sorte. Donc il y a des gens qui peuvent monter sur un boulot de conception et qui sont très contents parce qu'ils se disent « mon boulot va être plus intéressant, je vais concevoir le truc, c'est moi qui vais l'inventer ». Et puis il y a des gens que ça va bloquer, qui ne vont pas pouvoir le faire, qu'il faudra soit plus accompagner, soit qu'ils ne pourront pas le faire. Il y en a aussi pour qui on a eu du mal à faire tomber les barrières mentales. Je ne vois pas pourquoi je poserai avec les devs, moi je suis un ops. Et non, c'est justement ce qu'on te demande, de faire péter cette barrière. Et puis il y a eu des concepts qui ont été mal compris et qui du coup ont fait que ça n'a pas marché. Un exemple typique sur l'idempotence. L'idempotence, c'est la capacité
à lancer plusieurs fois son automatisme et à chaque fois obtenir le même résultat. Et donc il y a des gens qui ont dit ben, je comprends pas, je lance mon déploiement, il marche plus, alors que hier il marchait et j'y ai pas touché entre temps. Oui, mais hier tu l'as lancé sur une machine vierge, là tu le lances sur une machine, ça a déjà été déployé. Il y a un problème d'idempotence. Et il y en a certains qui ont eu vraiment du mal à franchir cette étape-là. Et bien, somme toute, ceux avec qui ça n'a pas marché, c'est pas grave. C'est pas grave parce que, d'abord, si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera peut-être demain. 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage, donc on va continuer, et puis on va continuer d'essayer. Au fur et à mesure qu'il y en a qui réussissent, bah, ça va aussi en entraîner d'autres. Donc je pense que c'est vraiment de l'itération. Et le fait d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui a réussi, qui va prendre le lead sur l'équipe, qui va essayer de tirer les autres, et qui va être localement présent. Parce que je vous parlais tout à l'heure de la distance géographique, c'est aussi ça la difficulté pour nous. Ça va en entraîner d'autres. Et puis deuxièmement, c'est pas grave parce que on gère un portefeuille qui fait un peu plus de 250 applications. Et que c'est impossible de reprendre l'industrialisation, l'automatisation du déploiement sur les 250 applications. Le ticket d'entrée est beaucoup trop élevé. Il y a un gros retard à rattraper. J'ai parlé beaucoup de notre côté ops, mais il y a aussi un retard à rattraper côté dev. Hein. Un dev qui a l'habitude de bricoler sur son PC Carrefour, de balancer ça aux ops et de dire « débrouillez-vous, c'est votre problème maintenant ». C'est sûr que si vous voulez aller vers du DevOps, il y a aussi un changement de mentalité à faire côté dev. Donc il y a aussi un retard culturel à rattraper sur certaines applications existantes, legacy, et donc on a des gens qui vont continuer à travailler pendant quelques années, dire old school, là-dessus. Donc ça, on a du temps devant nous. Et puis oui, je disais, on ne peut pas partir tout de suite sur reprendre l'automatisation de déploiement sur toutes nos applications, simplement parce que budgétairement, il y a un ticket d'entrée qui est important. Et puis, il y a du, comme dans toute entreprise, il y a des applications qui ont une durée de vie qui n'est pas infinie. Et donc, c'est difficile d'aller défendre. J'ai besoin de prendre un prestat pendant 6 mois pour travailler sur l'automatisation de toutes les vieilles applis. Oui, celle que dans un an, on va mettre à la poubelle parce que de toute façon, on est en train de commencer une refonte. Donc, on ne va pas tout reprendre. Par contre, la stratégie qu'on a adoptée, c'est de se dire, sur tous les nouveaux projets, toutes les nouvelles applis, tout ce qu'on développe de neuf, déjà tout ce qui est neuf, ça c'est sûr, on automatise le déploiement. Et puis, ça va être d'autant plus un moteur pour y arriver globalement qu'on a des gros projets en ce moment de refonte du SI, où on revoit des grandes parties du SI. On va remplacer 10 applis par là parce que voilà, ça a été fait il y a 10 ans, c'est plus bon, il faut changer, ça sera tout mieux demain. Et donc ces projets de refonte du SI font qu'on l'a mis comme prérequis. Et aujourd'hui, tous ces déploiements de nouveaux projets passent par là. On est rendu à aujourd'hui, et maintenant, demain, qu'est-ce qu'on va faire? On a quelques projets dans les cartons. La première chose, c'est que c'est un boulot qu'on a fait pas mal ops, qu'on a fait aussi en dialogue, en commun avec les devs, avec certains devs, pas avec tous les devs, mais avec pas mal de devs. Et puis, tout le monde voit que c'est bon, et si c'est bon, mangez-en. Et donc les devs nous disent, c'est génial vos automatismes de déploiement, ceux qui vous servent à déployer intégration, pré-prod, et puis une fois de temps en temps, une plateforme de recettes quand on vous le demande. Mais nous, on aimerait bien l'avoir dès le début, quand on commence à imaginer à l'appli, et puis avant qu'on la code. Ça fait pas mal de changements parce que effectivement, passer d'un automatisme qu'on développe une fois que l'appli est en cours de développement, qu'on sait ce qu'elle va être et qu'on va commencer à faire l'automatisme pour éventuellement à partir d'une plateforme de recettes, sinon à partir d'une plateforme d'intégration, on l'est présent, prendre en compte dès la partie dev, alors ouais, c'est très DevOps, hein, on se rapproche, mais ça pose d'autres questions. Qu'est-ce que je vais être capable de commencer à automatiser, sachant qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils vont développer et comment ils vont le faire. Ça pose un autre problème aussi, c'est que on était parti avec notre truc au départ, c'est bon, on a un SVN, tu fais un projet SVN, tu mets tout dedans, tu vas voir, c'est génial. Et puis comme tu peux faire des SVN check-out uniquement dans son répertoire, ça va être facile. Ouais, mais s'il faut le mettre en visibilité des autres équipes, notre problème c'est pas DevOps, c'est DevsOps. C'est-à-dire qu'on a plusieurs équipes de dev,
qui ont des projets qui sont pas forcément, qui bossent pas forcément ensemble, auxquels on n'a pas forcément, on doit pas forcément leur mettre en visibilité les projets des uns des autres, etc. Donc on peut pas partager ce truc-là aujourd'hui. Donc ça va nous nécessiter du refactoring, et refactoring important. Tant qu'à faire de faire du refactoring dans le SVN, est-ce que c'est pas le moment de le passer à Git ? Donc ça c'est des questions qu'il faudra qu'on ouvre. Et puis on se dit aujourd'hui, on a fait un choix d'outillage. Ce choix d'outillage, il remonte à aux premières études qu'on a fait en 2011. Aujourd'hui, presque 5 ans après, le monde DevOps a beaucoup bougé. Il y a des nouveaux outils, il y a des outils existants qui ont énormément évolué. Est-ce que Fabric, qu'on a choisi à l'époque, c'est toujours l'outil qui est adapté ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de passer à Ansible ? Tout à l'heure, Christophe en parlait, il y avait un petit logo Ansible sur son slide. Effectivement, c'est une question qui se pose chez certaines maîtrises d'œuvre, chez certains devs, mais aussi chez nous côté Ops. Et donc, on a une question qu'on va essayer d'adresser tous ensemble, les Ops transverses, avec tous les devs qui bossent, et puis essayer de trouver une réponse globale. Alors, je ne sais pas si on trouvera une réponse globale pour le tout, mais au maximum, on va essayer de faire quelque chose de commun. Et si on passe à Ansible, quel est le chemin ? Il va falloir tout refaire. Redévelopper les automatismes de déploiement de tous les middleware, des instances de système d'exploitation, de toutes les applis qui ont déjà été automatisées. Donc, comment on va le faire ? Après, est-ce qu'on va être capable de conserver notre concept où on a découpé notre automatisme en couches ? OS, middleware, appli, les confs, la plateforme globale. Est-ce qu'Ansible, avec son système de rôle, va nous permettre, par exemple, d'avoir un rôle applicatif qui va utiliser des rôles middleware en s'assurant à chaque fois qu'on lance qu'il utilise bien la dernière version du rôle middleware à jour. Ça mérite d'être creusé. Et puis évidemment, si on change d'outil, il y aura je tendance à dire tous les efforts qu'on a fait pour former les gens à l'utilisation de Fabric et à la création des automatismes avec Fabric, ils seront à refaire avec un autre outil, avec Ansible si on choisit Ansible. Bon, effectivement, ça a un côté un peu frustrant de se dire « j'ai investi tout cet effort-là, ça a même parfois été difficile, pas très bien marché, etc. Et il faut que je recommence à zéro. » Et puis finalement, c'est pas forcément à zéro. C'est pas forcément à zéro parce que il y a des concepts qui sont entrés, qui sont ancrés. Il y a des gens qui ont déjà réussi à prendre en compte avec Fabric, donc qui pourront probablement continuer à évoluer avec Fabric. Et puis, on continue à instiller une culture du changement, et non plus une culture de l'immobilisme. Et je pense que ça, globalement, dans une organisation, c'est toujours bénéfique. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Et puis, je suis à votre disposition maintenant. Je pense que ça va être l'open space. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.